Le nom de Veronika Dyska ne vous dit sans doute rien. Cette jeune femme russe gagne pourtant à être connue. D'une part pour sa carrière internationale de danseuse sportive et le titre de championne du monde junior qu'elle a décroché en 2014, d'autre part pour son animal de compagnie insolite. Car l'ex-danseuse de 25 ans vit avec un impressionnant ours brun de 600 kg nommé Archie, à Novosibirsk, en Sibérie. En France, la loi lui interdirait une telle cohabitation en raison des risques encourus avec un tel animal. Mais en Russie, la législation permet de détenir à titre privé une grande variété d'espèces animales. Sur les comptes TikTok et Instagram de la jeune sibérienne, suivie par plus de 800 000 personnes et récompensée de plus de 4 millions de likes, on peut observer des scènes absolument impensables. Comme l'ours serrant tendrement Veronika entre ses pattes. Archie me voit comme un membre de sa famille. Nous partageons nos repas, il dort dans mes bras et se cache même derrière moi quand il a peur. Si est-il un animal sauvage mais je ne crains rien avec lui. L'ourson ne pouvait pas retourner à l'état naturel après sa captivité, il allait être euthanasié. J'ai l'impression d'être à ses yeux une sorte de figure maternelle. Il passe d'ailleurs aujourd'hui le plus clair de son temps avec moi et tout se déroule bien, confie la jeune maîtresse. Mais Veronika se défend d'alimenter la mode des selfies avec des animaux sauvages sur Instagram, une tendance qui entretient un trafic dangereux pour la faune. Si Veronika et son compagnon sont aujourd'hui inséparables, si est-il qu'elle l'a sauvé d'un destin funeste. En 2019, Archie n'est qu'un ourson quand le zoo local, dont il est la propriété, fait faillite. La fermeture imminente de l'établissement implique que la bête, qui ne peut pas retourner à l'état naturel après sa captivité, soit euthanasiée. Amoureuse des animaux, Veronika s'émeut de la situation et fait alors part de sa volonté de recueillir Archie. Après s'être assurée que l'animal vivrait dans de bonnes conditions, les autorités ont accepté sa demande. Depuis, la belle et la bête ne se quittent plus, et font tout un tas d'activités ensemble. Les photos de leurs escapades sont surréalistes, ici en voiture, là en bateau, en train de danser, de jouer ou de pêcher. Il aime beaucoup l'eau. Et adore quand nous allons explorer ensemble de nouveaux endroits. Passer de tels moments avec lui est simplement génial, atteste la jeune femme. Archie semble apprécier tout autant la vie aux côtés de son humaine préférée. Leur relation est aussi dingue que le dessin animé russe Masha et Mishka. Espérons que leur complicité durera de longues années.